Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow Warrior 2. D'accord, fallait que je vise le cadenas. Nous avons enfin passé la porte de cette mission secondaire. Et ça m'étonne de ne pas me faire agresser ici. Ah. Cependant, il y a bel et bien de quoi se faire agresser. Boum. Pourquoi ils sont tous liés à moitié? Boum. Il vient mourir, oui. Ah, il est mort dans une explosion. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. C'est quoi ça? Oh! Celui-là aussi. Non, il est pas mort. Cette fois-ci. Eux tombent pas. D'accord. Ils sont cependant un peu trop balèzes pour moi. Non. Well, good morning, Starshine. Putain, ils sont quand même méchants là-dedans. Oh, c'est joli ça. Putain, mais il y en a partout. C'est bon? Je vous ai tous calmés? Crac, merci. Est-ce que je les ai tous calmés finalement? Parce que là, je commence à me poser la question. Voilà, pour l'argent. Par contre, ce qui me fait plus chier, c'est le nombre de cartouches que j'y ai mises, quoi. Enfin, c'est pas grave. Balle légère. Effectivement, ça remonte au niveau des balles. Je vais récupérer ça. Utiliser. I'll just take this. Cependant, il y a des coffres un petit peu partout, semble-t-il. Gel classique, d'accord, donc ça va pas être extrêmement puissant, je présume. Les autres munitions, je peux pas les prendre. Intéressant. Apparemment, je suis full plasma. Ascenseur. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Raté. Boum. Désolé. 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 Raté. Raté. Ah bah là ça marche plus le clic droit. Ah faut que je fonce. Faut que je fonce en mode droit devant, semble-t-il. Pas d'ennemis dans le coin. Il reste plus que la boule. Il restait plus que la boule, je suis assez vexé. Merci. Crac. Balle légère. Un coffre ça. Oula, d'accord, il a un léger dash. Ok, un petit peu, un tout petit peu d'argent même je dirais hein. J'allais dire un petit peu d'argent, mais c'est vraiment un tantinet, hein. C'est rien du tout. Ah, quelque chose ici. Robustesse classique. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'on en vende un paquet de ces trucs-là, hein. Parce qu'il y a un paquet de trucs qui sont pas forcément hyper intéressants. Niveau mana, je suis full.
Ah, par contre, j'aurais bien récupérer ça et le revendre aussi. Ça pourrait être intéressant. Ok. Apparemment, j'en ai pas fini avec cette quête. Retournez voir. Ah si, retournez voir, j'ai fini apparemment. Ouais, allez, on y va. Si j'avais su que ça se terminerait aussi facilement, je serais... J'aurais terminé l'épisode précédent là. Quel temps de merde! Quel gros temps de merde! Je vais aller voir les vendeurs. Bonjour. Bonjour Larry. Qu'est-ce que t'as à vendre ici? Agilité sublime, parfait, un mode de tir rapide. Dégâts convertis en dégâts élémentaux. Plus 10%, PV après avoir tué un ennemi 4,7, d'accord, c'est intéressant. Ah, le tireur d'élite, dégâts des armes légères, coût en énergie, des ki, des pouvoirs, plus 50, d'accord, ok. Assaut noble, du coup, qu'on a dégâts des armes, probabilité de butin, plus 9,1. D'accord, ça c'est intéressant. Munitions parfaites, les balles ont une probabilité de transpercer un ennemi, d'accord. Dégâts convertis en élémentaux, nature sublime, fatalité, d'accord, ok. En termes d'armes, le bâton inf... Ouah. J'ai eu une érection l'espace d'un instant. Talon de guérisseur augmente la quantité de soins fournis par une trousse de soins. Ça peut être intéressant. Toutes les munitions, ça me coûte 23 000. Oh la vache. Je peux pas en acheter, je suis déjà full. Ici, projectile. D'accord, ça me coûte la peau du cul. Vas-y, écoute. On se paye ça. Est-ce que tu veux bien me racheter des choses? Ah mais ça coûte rien quoi. Faudrait que je vois vraiment le rebut ce que ça vaut. Alors toi tu m'intéresses avec ça par contre, hein. Je veux pas dire mais... Il est juste magnifique hein. Ok, c'est pas grave. On va aller voir l'autre avec ses techniques, ses machins, ses... C'est bidule. Avec un peu de bol, l'arme sera débloquée aussi, ça pourrait être sympa. Et apparemment, non! Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a à vendre ici? Pierre de sorcier! Coût en énergie des pouvoirs, moins 30% résistance aux dégâts, moins 15. D'accord, ok, c'est vraiment sorcier quoi pour le coup. Qui a un limite plus 4,6 capacité de qui plus 6, c'est ça? 9. Feu, d'accord, feu sublime. Ça pourrait être intéressant. Pyromanie sublime. En gros, si je mets les deux sur une arme, ça devient une arme complètement pétée, quoi. Et ça m'intéresse. Dégâts des brûlures, vulnérabilité aux brûlures. Oh la vache, ouais, il y a moyen là-dessus. Il y a moyen de se... Allez, soyons fous. Il me faut une arme de feu. Alors celle-là, pas du tout, finalement. Par contre, celle-là, je la mettrais bien en flamme, quoi. Allez, soyons fous. Feu sublime, vulnérabilité aux brûlures. Dégâts du feu, plus 24. Voilà. Feu sublime. Et sur celle-ci j'avais mis quoi? Pyromanie remarquable. Je vais la récupérer. Hop, voilà. Ça peut être intéressant. Oh je rêve où elle a eu du coup des trucs rouges dessus. J'avais pas fait gaffe qu'elle les avait avant. J'avais pas du tout fait gaffe. Ok. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'elle avait ça avant. Ah! Et voilà qu'elle a ce truc là aussi. Alors pourtant, quand j'essaie d'utiliser en truc, elle le fait pas. Ah bah pourtant, c'est bien ça, hein. Étrange. D'accord. Ok, pourquoi pas. Il y a bien un mur invisible, clairement. Et l'arme, elle doit être juste devant la fenêtre, c'est ça? Voilà, elle est juste là-bas. Dommage. Dommage. Bon, on va aller voir Maître Wong, Maître Smith, qui va récupérer son liquide, qui va me donner un point de compétence, surtout l'accès à une nouvelle compétence. J'ai ton brut. I found your pals in the forest. Give him the crude. What about them? They were playing a little fast and loose out there. Give him the crude.
Ça serait tellement plus rapide. Let's just say you could fit what's left of them into a decorative vase. Would you just go? Oh, well then I'm gonna have to think about how to source some more. Just relax, old man. I got you covered. You are such a Call me old man again, and I'll cut your wang off. I read you loud and clear. Le wang, ah, coupe pas mon wang. If you find yourself at loose ends. T'as du boulot en plus. Un garçon des ténèbres. J'ai laissé les parchemins d'armure de mon grand-père dans sa maison. Si tu récupères, tu ne regretteras pas. Ça m'intéresse. Ouh. Hey, I've been meaning to ask you about these swords. Ooh. Yes. Ooh. You say you made these? Ooh. These are Tamagahane steel. You don't just make Tamagahane steel blades. You don't, but I do. I apprenticed for 20 years, and each sword takes me around 6 months. Oh, vache! You spent 2 decades learning this? That was a quick study. How did you find a master sword maker willing to take you on, given your, you know... My non-traditional skin color? I learned from my grandfather. He was a traditionalist, but was able to overlook my background, given the complexity of our family history. Do tell. My grandfather was the last surviving member of the Masamune clan. Bon, okay, so, okay. And let me guess, your uncle was Kaiser Soze? Believe what you want. I am who I am. Ah, I've heard that one before. I think it was Yahweh, or was it Popeye? I always get those two mixed up. Your disbelief is reasonable. My family was a living ghost story. They forged the Nobitsura Kage. If you believe that sort of thing. Believe it. Brother, I own it. Now, who is telling tall tales? Oh, I got it right here. But it's not what it used to be. No? I used it to kill a god. Donc j'imagine que c'est l'arme du précédent jeu. See? Fascinating. Does it have the powers from the stories? It did. Little hard to wield now, though. Unless you're Mighty Mouse. What if I told you I could fix it? I'd say that's the third most unbelievable thing you've said during this conversation. Let's see. Oh dear. I don't have the correct scrolls here. They're in my grandfather's library. If you retrieve them, I will see what I can do. Oh, don't worry. Fetch is my favorite game. I'm not telling you how to live your life. If you're in the neighborhood, check it out. Or don't. Whatever you say. Ça m'intéresse. The Vault. Je peux pas aller voir ce que c'est pour l'instant. The Vault, pistolet à clous. Oui. Oui, les pistolets à clous. Le Marcus ronronnerait presque. Oh, j'ai les pics. Je fais quelque chose, je vois pas quoi. Incursion éternelle, invoque des pics démoniaques des ombres. N'invoque pas les ennemis, d'accord. J'imagine que ça les invoque directement sur l'ennemi, c'est ça? C'est ça que je dois comprendre. J'améliorerais bien ça. Parce que Lucky finalement il tombe assez vite. Vous avez pu voir que j'en ai énormément besoin en combat. Je pense qu'on va rester là-dessus pour le moment. Je vérifie quand même qu'après avoir fait cette quête, voilà, ça ne s'ouvre pas. Ok, on va aller voir pour une autre quéquette. Mission, quoi. Appuyez ici. Oui. Ok. Maîtrise des arcanes, le Duke. Figure-toi que ça m'intéresse, hein. La cuisine. Allons-y. On va faire celle-là. On va pas d'abord faire le pistolet à clous, parce que voilà, le pistolet à clous. Qui empale les ennemis sur les pics démoniaques surgis du sol. D'accord, les ennemis ne sont pas blessés, mais immobilisés et laissés à votre merci. D'accord, ils sont pas blessés. Donc pour l'instant, c'était pas intéressant selon moi. Même si, effectivement, quand il y a moult ennemis, ça peut être intéressant. Surtout que je vois bien le côté, je les projette et ensuite... J'ai bien fait le... Voilà. Hop, je vois bien ce petit côté là, oui, effectivement. Avec un petit coup de pied bien stylé, pourquoi pas. Et faut que je m'entraîne à utiliser ces petits sabres. Ces petits. Je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Oh, il fait jour. Oh, on est ici.
C'est la maison des mecs là, non? Cool. Je peux pas monter plus haut. Ok. Ah, je peux pas sauter par-dessus non plus. Je me cache dans les fourrés. Récupération du ki, d'accord. Là, y'a personne! Y'a absolument personne! Et avec ça, y'a même pas de coffre! Tout ne me voit plus! Boum! Ça c'était dégueulasse! Plus de place, okay, cool. Oui, c'est parce que j'ai fait le plein des balles, ok. Effectivement. Faudrait pouvoir retourner dans les endroits et. Je visite parce que j'aimerais bien trouver plus de choses. Apparemment, il y a un moyen de sortir d'un côté-là. Là, par exemple, vous voyez, il y a quelque chose. Apparemment, il m'est inatteignable pour le moment. Sauf si je peux rentrer par là. Non, bon. Par contre, par là, je peux. Non, je peux pas sortir. Oh, quelle horreur. J'aurais juré pouvoir sortir et grimper sur le toit, ça aurait été génial. J'ai trouvé mieux. Ah bah non, il veut pas. Non, il veut pas. Bon bah écoute, tant pis. Pas beaucoup d'ennemis, hein. Ça va tellement être rigolo. Oh! Trahison sous attaque physique. Résiste à celle-là, on va bien voir. C'est quoi ce truc? What? Elles sont violentes, ces gonzesses. Merde! Ils ont tous des SMG ou quoi? Putain, mais ils ont tous des SMG, oui! Hold yourself together, man. Tiens, t'as donné un truc intéressant? Non. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est? Du. Non, virtuosité. Temps de chargeur un peu moins important, d'accord, je prends. Elle est morte, j'ai eu les deux. Même la spéciale là. Cool. Je sais pas comment, mais cool. Bon, la prochaine fois j'utiliserai ça parce que là franchement, ça ne va plus. Ok. J'ai passé par l'eau. Occultation. Pas marché? Merde. Je me trompe, je me suis planté en fait. Mais alors? Ça marche pas? Ok. Faut l'attendre d'être à 30, c'est ça? Allez, j'aimerais pouvoir utiliser ce nouveau pouvoir. Allez les filles, empalez-vous. Voilà. Ça fait quoi les filles? Vous avez peut-être l'habitude, excusez-moi. Oh la tête. Ah oui, belle posture. Désolé, il t'est arrivé une couille.
Détonation nom, munition explosive, ajoute un dispositif explosif projectile. Ça c'est cool. Au projectile, hein, c'est bien noté chers amis. Donc il va y avoir d'autres armes à projectile, ça va être cool aussi. Parfait, donc on y va. Oh des scouts, ça fait pas très ninja. Ah, il y avait un truc ici. Hop, merci. Ah, il y avait des munitions et de l'argent. Cool. Un peu plus d'argent ici. Elle est grande cette map et j'ai l'impression qu'en fait on va pas pouvoir tout choper du premier coup si je puis dire. D'ailleurs il y a des secrets que je n'ai toujours pas chopé j'imagine. Tiens, il y a un truc qui est carrément donné ici. Combustion. Oh, il y a moyen de monter. Non? Allez, dis-moi qu'il y a moyen de monter. Ah non, il n'y a pas moyen. Tant pis. Là non plus. Ok. J'ai trouvé les, ce qu'ils appellent les cuisines. Mais il y a un coffre ici. Un petit peu d'argent. Des cartouches. De l'argent. Des balles. Un poulet bleu. Dégâts au corps à corps. Parfait. De l'argent. Bon, comment je rentre? Ici. Non? Non. Ici? Bonjour! Dealer de drogue, bonjour! Hey! Yeah? You know where I can get some shade? I'm partial to oak trees myself. Cut the shit. I know you're selling. Hey, il en right. consomme aussi. How much you need? 400? Shit. You serious? I only got dimes. You want more than that? You gotta talk ah, il est complètement stone, le mec. Chef. The guy who cooks the stuff. That's what he calls himself. And where could I find him? He doesn't really like visitors. Ah, faut là que je le... I got a lot of cash on me. I'll make it worth his while. All right. Tell you what. You head down that alley, and I'll tell him to come see you. Ouais. Cool? All right. Cool. Bon. On va se faire défoncer dans une allée. That's how a master does it. Oh my gosh, I am so impressed. You're like really young and hip and streetwise. Can it? I need to focus. Ouais, comme tu dis. Il y a un coffre en haut. Donc il faut que je monte. Alors, apparemment ils sont sympathiques cette fois-ci. Donc ils vont se retourner contre moi dans quelques secondes, hein, soyons-en sûrs. Petite trousse de soins, d'accord. Il y a moyen de passer sur le toit. Pas, je bouffe des poils. Bah oh, puis il est long en plus celui-là. Pourquoi j'ai un chien poil long? Ah, ça faisait longtemps. Pensons l'impensable, faisons l'impensable, préparons-nous à affronter l'indicible et voyons si après tout nous pouvons le dire. Douglas Adams. D'accord. Ok. Salut les filles. Parlant de filles, bonjour madame. Vous avez le masque de Deathstroke madame. Point de passage activé, tant mieux. Parce que j'ai bien peur de devoir souffrir dans cet endroit. Bonjour. So, which one of you guys is the chef? Hand over the cash, or we cave in your fucking skull. I should warn you, this is a terrible idea. Fuck you. Ok, c'est fini. Mamie cher. Mamie extrêmement cher. Et de 1. Ah oui. Oui, Sid Dayard, cet homme est un dieu.
touché par un truc là. Désolé. Il en manque un. Quelque chose ici. Gel classique, ouais. Bon. Résistance aux attaques physiques. Aux attaques physiques, intéressant. Et aux attaques électriques, genre plasma. D'accord, résistance au pouvoir aussi, forcément. Immunisé contre les pouvoirs, oui, je suis stupide. Ah, tu peux pas passer dans la maison? Ah, t'as pas l'air con. Oh, par contre, ça, c'est un peu moyen, mon pote, hein. Bon. Il aime pas ça, apparemment. Cependant, c'est pas encore ça qui passe le mieux. Ah, oh, il me saoule à faire ça. Non, déjà? C'est parce qu'il me tournait le dos, je pense. C'est parce qu'il me tournait le dos, je pense, réellement, enfin, de fougue, que j'ai mis une munition. D'accord, ok, c'est intéressant. Rayon de dégâts, bah dis donc, il y a plein de choses intéressantes ici. Ok. Donc il y a bel et bien un truc ici. Mais comment je vais le choper? Telle est la question. Est-ce parce que j'ai l'impression que ce truc là, ce toit là est glissant en fait. Je me trompe peut-être hein, mais... Vous voyez? Et donc ce bouquin, je ne peux pas le récupérer. Parce que bug. Je l'ai eu. Aha ! Je t'ai guaqué le jeu. Par là, il n'y avait rien. Je check it out quand même, hein. Mais non. En termes de mini... Alors, est-ce que je peux passer par la fenêtre ? Je voulais voir ça aussi. Oui ! Bon, à savoir. Bon, je veux pas dire, mec, mais tu m'as envoyé dans un traquenard. Donc, bah, malheureusement... Tu vas payer. Hey, shithead! Long time no set me up! You wanna end up like your fucking friends? I'm sorry. I thought... You thought you'd tell me where the chef actually fucking is now? Yeah. He's up that way. Don't tell him I told you, okay? He's gotten real... weird. D'accord. Yeah, bon. I think you have bigger things to worry about, like say never running into me ever a fucking again. That sounds reasonable. Hey, I'm nothing if not accommodating. J'ai cru entendre derrière en fait qu'il y avait du mouvement, mais bon, apparemment non. Je récupère 2-3 balles. On y va. Cadavres toujours un peu partout et des gens ici. Soit ils sont extrêmement balèzes et j'ai pas le niveau. Ce qui est possible, hein, je veux bien l'admettre, hein, mais. How about we play a little, just a tip. Ok, je m'en vais. Ils me font peur. Je préférerais pas. Des rats. Ah là, ça marche. C'est passé. Il est pas tout seul. Bah alors. Voilà. Et là-dedans, j'ai des coffres. Bonjour. Ok, j'ai eu tout le monde, apparemment.
Sans trop de difficultés d'ailleurs. Ok, bon bah, visitons la maison. Hein. Oh, un coffre, étonnant. De l'argent, un tout petit peu d'argent, un tantinet d'argent, je dirais même. Hein. C'était limite. Hein. En termes de radinerie, c'était limite. Ordinaire du cerf, des projectiles, et c'est tout. Ok. Là, il y a de la weed. Et je dis ça comme si c'était normal, hein. Mais c'est normal. Oh. Et dans ce coffre, il y avait un autre coffre qui lui ressemblait étrangement. On devrait pouvoir en récupérer un petit peu. Mais est-ce qu'on va récupérer au-delà de 75%? Non, d'accord. Pourquoi pas? Et encore une fois, vous voyez, il y a toute une partie où il n'y a pas du tout de coffre. Ok. Ah ouais, carrément. Ok, j'ai pas réussi à grimper, mais il y a des bestioles. Ok, c'est pas dur, hein. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On n'est pas très dur. Ok. Ça va me remettre au même endroit, d'accord. Vous y avez tous cru. Chien infernal. De base, c'est pas le genre de choses qui me plaît. Bonjour. Ah oui. Effectivement, vous semblez un petit peu énervé. Est-ce que ça vous a calmé? Non? Est-ce que maintenant vous êtes calmé? Oui? Parfait. Ok. Récupérons une partie. Il est juste là en plus. Hein. Et là-dedans, apparemment, il y a des coffres. Hein. Ok. Enfin, il y a peut-être pas un coffre, mais il y avait en tout cas un texte. Donc, c'est déjà ça de près, si je puis dire. Apparemment, l'argent est en dessous. Tant pis pour l'argent, alors. Hein. Je sais pas, moi, je dirais l'argent. Oh, bonjour. C'est pas prévu, ça. Combo Breaker! Combo Breaker! J'ai quand même un gros manque de DPS là-dessus. Hein. Je peux pas dire. Hein. What the fuck? C'est ça qu'il appelle le cuistot? Oh nom de Dieu. Moi, je disparais. Je ne suis plus là. Putain, il est là. Oh la vache! Ah, je le voyais pas si gros le cuistot, hein. Enfin, je le voyais pas comme ça. Limite, j'ai envie de dire les sergents d'abord, hein. Passer? Non.
Clairement, à ce tarif-là, à ce tarif-là. Bonjour. Vulnérabilité, électricité. Cool. Hop. Il faut tous peur maintenant. Putain, je crois qu'il t'est arrivé dedans. Et oui, je trouve que j'ai un manque de DPS. Où est-ce qu'il est? Ici. Voilà. Alors pour la mana on est... Putain, il tape. Ok. Bon, ça tombe bien. Oh, reviens. Come here, you pussies. Qu'est-ce que... Putain, il passe en mode... Salut l'ami. Protecteur du cuistot. Je peux toujours pas passer à travers les... Putain, il est balèze, hein. J'ai pas d'autre chargeur. Je vais même faire le plaisir de crever. Il veut pas. Hein. Aïe. Je me la prends volontiers. J'ai plus de balles. Ok. Quoi? Ah oui, c'est vrai, ils sont immunisés. Comment je peux faire? Headshot. Raté. J'aurais dû y penser. Ils prennent tellement pas de dégâts. Ou alors... Allez, c'est bon. Ouh putain, c'est pas simple. T'aimes pas? T'avais qu'à pas te mettre dans un bâtiment. Voilà. Abruti. Si tu savais que tu pouvais pas passer dedans, pourquoi t'y allais? Pourquoi t'y allais? Réchauffe-lui deux secondes. Wow, qu'est-ce que c'est? Empoisonneur. Augmente les propriétés de l'empoisonnement. D'accord. D'accord. Une compétence. Main de serre d'aigle. Ouh, où je prends? Oh bah attends, j'ai justement une arme à tester avec toi. Oh putain, mais... Rhinocéros sublime, amélioration de pouvoir. Portée de l'incursion des ténèbres, plus 13%. Lancement d'incursion, moins 10%, d'accord. Tous les trucs que j'ai droppé cette mission, c'est la fête. Ah oui, il reste l'autre qui est coincé là-bas. Parfait, donc j'ai permis, ça m'a permis de faire le... Oh. Ça a l'air rigolo. J'ai plus de balles là-dessus, donc je peux. Hop. C'est pas le bon truc. Si, c'était le bon pourtant. Oh bah c'est moche en fait finalement. Y'a voix papa. Oh là. Y'a une grosse qui est arrivée. Ça tombe bien. J'étais en train de charger une arme. Hop, merci. Biggie. The Ten Crack Commandments. Number 4, I know you've heard this before. Never get high. Les commandements du crack? What the fuck? Boum, t'es mort. T'es mort. C'est lent un petit peu comme arme. Finalement. J'imagine qu'effectivement ça fait plus de dégâts au coup. Si on a quoi? Pyromanie classique, d'accord, je prends. Et plus de plasma et on a un bouquin normalement dans le coin. Donc, j'imagine c'est encore TP à un endroit incongru.
comes man in black. Ok, je pense à ça. Hop. Bonjour, je t'avais pas vu, excuse-toi. Par contre, il y a l'air d'avoir une grosse somme d'argent là-bas, là. Je peux pas la choper. Je peux pas choper l'argent. Quelle déception. Retournez voir Mamushi Eika sur la montagne du dragon. D'accord. Ok, donc on a récupéré des armes, on a récupéré des choses assez intéressantes en règle générale. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Des munitions supplémentaires, je vais les récupérer. Le plasma, je suis déjà full. Finalement, on aura eu le gros. Mais vous pouvez voir que pour l'instant, on n'a pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas le niveau pour les affronter hein, finalement. Hein. Je vais aller voir par là parce que je suis. Voilà, je suis curieux un petit peu de ce qu'il y a aux alentours. Parfait. Perforation remarquable, pourquoi pas. Tu as remarqué ma perforation. Ah. Il y a bel et bien quelque chose qui veut m'agresser, mais ça semble tout petit ou très très éloigné. Ou très très mort, ça dépend. Et là, il y a plein de coffres. Là, il y a plein de coffres. Là, il y a food extraordinaire, ça va être intéressant. J'aime bien les armes. J'ai juste foncé dedans, hein. Calmez-vous. J'aime bien les armes un petit peu de foudre aussi, ça peut être intéressant à regarder visuellement. Ok, j'ai réussi à grimper, parfait. Et là, je vais pas réussir à passer, n'est-ce pas? Quoique. Quoique. Wouh, si. Alors attendez, parce que du coup, ici j'ai accès à ça. Merci. En face il y a des ennemis, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Oh non, pas vous. Do you feel lucky, asshole? Bon bah apparemment je les ai eus. C'est pas comme ça que j'aurais aimé les avoir, mais c'est pas grave. Wow! Bien joué! Vous m'avez surpris, les vidéos durent un peu plus longtemps que prévu, c'est pas grave. Ok, je vais te la mettre. Bien dé. Et de deux. Ah, par contre, il a du mal à grimper les marches. Hein. Un Bouddha sans tête. Effectivement, c'est un Bouddha sans tête. Le coffre. Oh, boum! Des balles. Et ici, juste des balles. Ok, dommage. Attendez un petit peu à mieux, hein, je l'avoue. Munitions au max. Pour toutes les armes. Ce serait cool. Ce serait carrément cool. Enfin bon, on se re-téléporte, les amis. Hop. On en est où dans l'épisode de passage? 43 minutes. Oh la vache, il fait presque la taille de deux épisodes. C'est la folie, ça. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire pour pas perdre le nord, moi, parce que je vais pas en tourner avant quelques jours, je vais attendre un petit peu, histoire d'avoir rendre la quête au dernier moment. Moi, je vous laisse les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!